Bien, la rentrée générale de l'EM Normandie, ça représente près de 1 000 nouveaux étudiants sur nos quatre campus, ce qui porte le nombre d'étudiants donc à Caen, Le Havre, Oxford et Paris à plus de 3 200. Si l'on parle spécifiquement du campus de Caen, c'est près de 450 étudiants nouveaux sur le seul campus de Caen, ce qui porte le campus de Caen en formation diplômante à près de 1 500 étudiants. Il y aura très prochainement une inauguration donc de 2 000 mètres carrés sur le campus de Caen, ce qui va porter à près de 10 000 mètres carrés les surfaces disponibles pour nos collègues et nos étudiants. Il y a également donc un nouveau Master 2, donc une option qui s'appelle Startup et développement numérique, qui est à cette rentrée 2016. Et puis enfin, il y a une extension du nombre de partenaires internationaux et la fréquentation également d'étudiants étrangers, puisque si l'on rajoute aux 300 étudiants d'échange près de 370 étudiants donc payants dans nos différentes formations, sur nos différents campus, c'est près de 700 étudiants étrangers qui fréquentent nos établissements. Nous avons aussi une poussée très forte au niveau des chiffres de l'alternance. Nous aurons probablement plus de 500 étudiants en contrat d'alternance cette année, dont un grand nombre sur Paris, puisque l'alternance est sur Paris, Le Havre et Caen. Et Caen, donc, est historiquement, avait été le point de départ de l'alternance. Voilà. Donc ça, c'est un cercle vertueux, aussi bien pour les étudiants, pour les entreprises, pour l'école. Alors j'ai eu l'occasion de parler des différents campus de l'EM Normandie, mais au vu des chiffres que j'ai donnés, il est très clair que nous sommes une école normande et nous resterons une école normande. Donc nous nous réjouissons de cette réunification de la Normandie, puisqu'avant on était des deux côtés de l'estuaire, maintenant donc la Normandie est en une, puisque on le voit bien, sur les 3 200 étudiants, près de 2 700 sont entre notre campus de Caen et notre campus du Havre. Tous nos campus sont en développement, et donc les campus de Paris et campus d'Oxford permettent simplement d'avoir des parcours différenciés à certains moments pour les étudiants. Mais notre vocation est bien conforme à notre histoire qui date depuis 1871 d'être implantée en Normandie.